Ouais. Et en dessert, je demande un donut, tu vois. Je dis en dessert, je prends un donut. Sucré au sucre. Je fais donut, je dis donut sucré, tu vois. Et là, le vendeur m'a vraiment répondu au sucre. J'avais envie d'exploser de rire, il m'a tué. Marge. Marge. Où est mon donut? Ah putain, merci Marco. Merci beaucoup. Oh, je vais t'en taper. Hein. Je vais t'en taper, je pense. On est parti du coup, Fubuki qui nous joue. Est-ce que je me trompais? Let's go, je me suis trompé. Fubuki qui nous joue. Eh bien, un Cloud. Ouais. Non, pas du tout, non, il nous joue un. Ouais, qui joue une Peach. Et t'as un gars qui fait front. La technique, mais elle est là. Je l'ai. Oh, putain, hein. Des bonnes chips salées. Ouais, mais t'inquiète, je m'en occupe pour l'instant. Taka qui va commencer à écrire. Voilà la première page de ce match. Prendre la limite, mettre de la pression sur la princesse. Qui... Ouh, par contre, le deuxième chef partira un peu aux oubliettes ici directement dans la corbeille. Ah, est-ce qu'on va pouvoir trouver le terrain pour Fubuki? Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Ça a l'air jeune, mais ça, on trouve une bonne chop dans le Strobacker. Ça met toujours un petit peu de dégâts avec. C'est plutôt pas mal dans le Strobacker. Ça touchait plus, je pense, là, dans le Strobacker. Je voudrais dire que Fubuki est bien remonté, mais là le problème c'est que Taka a bientôt une limite fluide, la backstroke sans doute, donc il a gagné un peu de stage control. Ouais, il a la limite là, peut-être qu'on va aller chercher un petit backer. Non, voilà le troisième chapitre. Il est là, et c'est celui où Fubuki perd sa première stock, tandis que Taka est à 81%. Il peut commencer à accumuler un petit avantage, déjà 14% ici de gratter. Il va falloir être patient, mais je le sens bien Taka là, j'ai l'impression qu'il est en contrôle dans ce match. Ouais, effectivement, Taka qui est plutôt à l'aise hein, là dans ce set. Pour l'instant, on va trouver le limite Blade Beam qui met pas mal de pourcentage, c'est plutôt bien fait. De la part de Taka, landing forward air, c'est safe. Landing forward air qui va connecter, on run avec Upfit. Très très bien exécuté de la part de Taka qui connaît un petit peu son perso quand même. Hein. Ça fait un moment qu'il nous le traîne, son Cloud. Ça fait un moment qu'on le connaît. SO, l'époque des anciens, encore une fois. L'époque des grands frères, Taka et son Cloud qui nous embêtait bien, il faut le dire. Et pourquoi il s'appelle Vermi? Très bonne question, il demandera après. On verra à la fin de la game, tu vois-tu que Taka est le pitch. Bam! Bien 2019 les punchlines. Mais ouais, Taka du coup, Endwalker c'est pour Final Fantasy XIV je crois, c'est une extension de FF14. L'aficionado de Final Fantasy XIV. Bonne couronne. La pitch c'est 2019, bah ouais, mais c'est l'année dans laquelle on est, mais bon, Sylee t'as bah pas ouais. Vu. C'est une wiki de Saltirena qui est cast par SP moi, évidemment qu'on est en 2019, t'es bête ou quoi? On a une Darren de Tourcoing. C'est vrai. Allez, pour l'instant, dans cette deuxième stock, déjà 130% de mini sur la pitch. Et par contre, on a bien géré, mais encore une fois, oh, ce side B. Ouais, j'espère qu'il y aura un perso. J'espère qu'il y aura 1000 mines dans ce match. On voit toujours que les jeux de Taka quand il passe en stream. Mais ouais, bien la caméra 2019 hein. Je te jure hein, quand tu mets. Je te jure que si tu mets un replay du 2019, tu vois vraiment la caméra de Taka qui est la même ouais, absolument de forward air. Cross slash qui va venir ici, Taka qui est agressif là-dessus. Taka qui a voulu gérer un truc un peu mignon, ça ne passera pas, attention parce qu'il n'y a plus de sauce, ils vont vraiment. Oh descend grab et Taka ne s'y trompe pas, vient mettre un grand down air et c'est un spike qui va partir 1-0 pour le Cloud de Ronche. Non mais je suis sûr, tu remplaces Fubuki par Dia, elle était là à l'époque. C'est ça hein. Et bam hein. C'est un match à l'ancienne. Pire que Dia frère. Soren. Soren, oh Soren. Taka Soren, cette pompe à bière, ta ta ta. Soren il me manque. Ouais. On n'a pas vu depuis. J'espère qu'il va bien. Depuis la tendinite. C'est vrai que depuis. Alors, Sayy, tu veux rire, mais tout à l'heure avec Sandax, on a reçu une notification Facebook. Vous avez été invité à un événement par Will, par Fish Tiflu. Ça, c'est le genre de notif qui fait très très peur. Ah, oh, j'avoue, un bon pit le pet Fish Tiflu. On rappelle que Fish Tiflu sera au Colossal. Hein. Donc... Ah ouais. Banana Rider et Banana Rider également. Ice Shield 59. Ice Shield, ah oh, l'époque du Wu-Tang, hein, véritablement. Ice Shield 59, c'est même pas Ultimate. Oui. C'est Smash 4. Oula, Taka qui nous tente un neutre à l'air finish en jamais. Dark Souls, ouais. Oh, Dark Souls, à l'époque. Maintenant, peut-être qu'il a évolué en Elden Ring. C'est vrai, c'est le cercle d'Elden désormais, Dark Souls. Le cercle des vieux. Ça. Où les dragons se sont décapités. On a un peu
encore une fois un Taka qui est en domination sur Hello Nightmare également. Hello Nightmare. Ah, Pécon. Pécon. Ah, on n'a pas touché, on n'a pas touché là pour Fubuki, c'est dommage. Taka encore une fois en maîtrise, hein. En maîtrise. Malakas. Malakas Star l'époque. Malakas. FDP, hop là. C'est vrai, FDP, on l'a vu en concert. Non mais là, voilà, en plus, on revient à deux stocks. Deux stocks 6 minutes, vous en avez à l'époque. Ah, c'est ça, hein. Taka qui met une bonne pression, hein, quand même. Taka, encore une fois, on le répète, mais il est vraiment à l'aise dans ce match. Il a un peu pris des bonnes actions. C'était LC a pas lu qui nous gonflait au disrespect. LC qui ne venait pas en tournoi en weekly salty parce qu'il disait qu'il voulait juste aller boire un bon verre avec ses potes. Oh, le Stitch. Dommage. Ouais, il a été un peu loupé ce soir. Comment ça, LC était au concert du... Non, j'ai pas vu. Je rigole. J'ai raté LC, je suis choqué. Tony. Oh, je suis abattu. Tony. À l'époque. Tony Mother from the Moon. Bah ouais. Allez, ah, encore là. Une fois. Ouais. Il aura beaucoup servi, ça, Epi. Franchement, il est très très efficace. On m'avait pourtant juré que le limite cross-slash ne tuait pas. Les main clouds m'auraient-ils menti? Les main clouds seraient-ils des professionnels de la Zumba? Non. Ah. Il a plutôt fait Gimp son saut là-dessus. Dommage. Dommage. Il s'est fait Gimp le saut. Bon, bonne inspiration de la part de Fubuki qui a dissipé les finales. Mais c'est cool de la part d'Armada d'être bon. Armada, c'est Armada. Pas de neutral, pas que de des neutral, armadouilles. Mon dernier backer à la King Connect pour Fubuki. Attention dans ce match, Fubuki il a encore un coup à jouer. Hein. Dans ce match, c'est loin d'être terminé. Même si Taka est en maîtrise globale du set, t'as fait donner ta bonnette, frère. J'ai jamais vu ça. Enfin bref, là on a des coups qui se distribuent pour Fubuki. Taka qui a cramé sa limite. Attention, ça peut sentir les ennuis là, peut-être pour le cloud de rouge. Hein. Lille sud. Oui, ça permettrait ce qui permettrait à Vermin de revenir un partout dans ce set et de peut-être encore rêver à la qualification dans l'arbre vers le top 8. C'est le Tame Kai Fire et Taka qui air dodge dedans. On a été patient pour Fubuki, ça fait un partout. Taka qui s'est fait avoir là-dessus. Attention. Voilà. Ouais, nous on se faisait une petite session revival. Mais pendant ce temps-là, Fubuki il était aux travaux, hein. Pendant ce temps-là, Fubuki il a fait le travail pour revenir et pour pas se faire prendre cette deuxième. Vive One Punch Man. One Punch. Très beau manga One Punch Man, hein. Ouais. On rappelle le dessinateur de Eshin. Non, ce qui manque c'est les combos. Je trouve que c'est un peu dommage dans One Punch Man, genre il arrive pas bien à enchaîner, tu vois. Souvent après le premier coup, les dessinateurs ils bégayent un peu, tu vois. C'est vrai, ils savent pas trop quoi faire, mais on comprend. Et j'ai pas vu, on est parti sur Cloud pour Taka. Je pense qu'on est parti sur Cloud. Oui. Let's go, cette fois c'est toi qui t'es trompé. Et on part sur PS2 à nouveau, mesdames, messieurs. Taka contre Fubuki Game 3, on en rappelle qu'à la clé il y a une place pour le top 8 loser, tout simplement. Trop bien, très bon wave punish de la part de Taka. Backdash, cross slash, c'est bien fait. Mais c'est vrai que Sayli fait monter les stats internationales de ce stream. C'est vrai. Peut-être qu'il faudrait... Sayli mieux... Non, c'est Astora mieux cidé que Nitox. Sayli aussi, hein. Sayli mieux cidé que Nitox. La triade KTZ, Sayli, Astora mieux cidé que Nitox. En même temps, la puissance de Lille. Les hommes mortes, pas les chiffres. Bonne dash attack d'abord, Taka, on ramasse le navet. Bon, une bonne pression, mais là c'est Fubuki encore une fois qui est bien installé. Hein. Il est bien installé. Encore une fois, Taka qui a un bon grab game, hein, mine de rien. Un patelin où il y a full vote FM. C'est pour ça, t'en as marre, tu vas pas comme ça. Il a explosé. Il a disparu de l'existence. Hein. Oh, attention, il y a un sac qui est sur le terrain. Ça peut être dangereux, c'est Taka qui va le ramasser. Hein. Il avait tenté un petit style de lancer de Saturne, pourquoi pas. Après, c'est fort ce Saturne derrière. Après, Sayli, si tu veux te déplacer sans avoir à bouger de chez toi, moi j'ai un petit code NordVPN, je sais pas si tu connais. Tu peux avoir une petite réduction grâce à ça. C'est réel, hein.
Saka qui essaie de fish pour un autre alert qui est top pour un Yaza tout à l'heure. Bien mis, ça peut bonne option agressive avec ce upbeat, ce climb hazard. Saka qui est très très bon également sur ses tomahawk cross slash, il en fait plein de tout à l'heure, ça marche à chaque fois. Il mix up bien avec ses graves en fait, c'est ça qui est pas mal avec Saka, il a un bon ultra game de rien. Voilà, il se déplace bien Saka. Hein. Il arrive vraiment à mettre pas mal de. Enfin, de toute façon, il a déjà eu stock d'avance. 106% mis sur la deuxième stock. Donc la pitch qui pourrait décoller, qui pourrait eh bien, se retrouver envoyée sur potentiellement cette dernière stock de tournoi. On a dit ça, revient la il faut qu'il utilise ouais. Le pouvoir de l'éveil, Taka. Oh, oh, oh. Taka qui survit, hein. Taka qui survit et qui va réussir à trouver le job. Malheureusement, pas la punition la plus opti. Sur ce contre wifi, mais c'est pas bien grave. On gagne du terrain et 152% surtout sur cette pitch. 180% sur Taka quand même. Hein. Ouais. Ça a du mal à tuer. Hein. Oh le. Oh sortie du cross slash. Mais ça a le combo dans le uptick grâce à la grâce au dash. Je suis choqué. J'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être que finalement c'était pas une Zumba. Le cross slash n'était peut-être pas un bon outil. Oh 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 oh, grosse phase là de la part de Fubuki qui trouve un très 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 beau combo. Mais c'est pas suffisant pour ça, Taka qui a encore un bon lead. Par contre attention, ça se multiplie les bonnes actions de la part de Fubuki. Taka qui a une multiple, mais il va être la backstroke. On va y aller très très loin avec ce forward air. Taka qui tente un backer également d'un smash qui passera pas. Mais très bon à be out of shield pour punir l'option agressive de Fubuki. Taka qui est on fire sur le dernier stock. Ouais. Exactement. Ah, triple guard, hein. Ouais, il utilise toutes les options de son personnage, il le ramène avec un gros down smash ici qui va envoyer Fubuki. On a tenté le down air pour le spike, mais non, la dash attack qui a poussé, c'est vraiment la dernière salty. Allez, il va falloir revenir sur le terrain, on garde la limite. Oh non, dommage, la limite, oh, la limite part est derrière. La limite est passée et ça prend la stock en plus. Attention, attention. Side B, ça ne tue pas, effectivement, ça ne tue pas. Ce side B qui est ridicule, personnage qui est même pas mid-tier. Cloud en difficulté ici, et double hit avec la limite. Peut-être que ce n'est qu'un mid-tier. Qu'en pensent nos amis amiennois? Je me désolidarise des propos qui sont tenus sur, par mon confrère Cocaster. Fubuki! Putain, il m'entend pas, il a ses AirPods, tout chier. Oh non, il ne peut pas nous entendre, il a ses AirPods. Moi je voulais savoir pourquoi il s'appelait Vermi.